Alors, Monsieur le maire, à compter de 2020, il sera interdit d'enfouir des matières organiques. Puis, je pense qu'on doit trouver une solution et ce, sans attendre. Je suis bien d'accord. Il faut vraiment penser à implanter le compostage. Ça va être tout un défi. Je me demande comment on va convaincre les citoyens de Stratford de composter. Je sais exactement qui peut nous aider. Je vais appeler les super-héros du compostage. Allô, les super-héros du compostage? On a besoin de votre aide. Vous avez demandé notre aide? C'est super. Vous allez voir, composter, c'est plus facile que vous le pensez. Soyez rassurés, le compostage, on s'en charge. Saviez-vous que 57 % de vos déchets sont des matières organiques, donc ils peuvent se composter? Ça veut dire que la moitié de mon bac à déchets pour aller dans le compostage? Oui, tu as tout compris. Mais on continue de recycler. Il y a 20 % des déchets qui vont au recyclage. Ensuite, il y a les textiles et les déchets dangereux qui ne vont pas dans les bacs. Finalement, il n'y a rien qui va dans le bac vert. Il y a seulement 3 % des déchets qui vont dans la poubelle. Finalement, on va être correct avec une petite poubelle. À quoi vient mon petit frère? Poubelle. Ma liste de mort cassée. Bac brun. Des petites branches. Bac brun. La Claude à Clémentine. Bac brun. Le fromage qui pue. Bac brun. Et tu peux le mettre dans le congélateur et tu peux le ressortir à la dernière minute. La poussière. Poubelle. Où va le reste de mon dîner? Bac brun. Du carton mouillé. Bac brun. Si ça se mange, si c'est du carton, du papier, où ça vient de mon jardin, ça peut aller dans le compost. Il faut placer le bac à l'ombre. Avant de mettre de la viande ou du poisson, on peut l'emballer dans du papier journal. Si ça pue, on peut mettre un peu de bicarbonate de soude et du vinaigre pour enlever l'odeur. Si votre bac attire les ratons laveurs, vous pouvez mettre du Vicks autour du couvercle et sur les bouches d'aération. Moi, je pense que les citoyens de Stratford peuvent réduire leurs déchets de 20 % en compostant. 20 % c'est 100 tonnes de déchets de moins. Au final, c'est 10 camions de moins. Ça coûte moins cher aux citoyens. Tout le monde se met, on est capable. Je vous lance le défi à Stratford de réduire vos déchets d'au moins 20 %.